arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau moment du temps passé qui débuta par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cabotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle jouissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avaient fait 30 kilomètres à l'hôtellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça donnait temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cabotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait les rondeaux et les sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Thank you.